la ville, les start-up bretonnes, à participer à un concours et les gagnantes auront droit à une semaine à New York. Alors, ce ne sera pas du tourisme, mais une semaine de formation intensive. Le mode d'emploi dans la minute web d'Éric Pilot. Braise America lance effectivement un concours dédié aux start-up bretonnes. L'initiative est portée par le franco-américain Charles Kergaravat, ancien financier de Wall Street et fondateur de l'association des Bretons de New York. Il vit aujourd'hui en Bretagne et propose donc une semaine de formation intensive à New York pour mieux comprendre le business aux États-Unis. Ce sera aussi une occasion de rencontrer des partenaires financiers potentiels et d'apprendre comment mobiliser des capitaux sur place. Le site internet insiste sur le fait que les USA représentent le plus grand marché du monde. Il faut s'inscrire avant le 17 mars. Le Braise America Startup Contest, c'est le nom officiel du concours, est ouvert à toutes les jeunes entreprises et start-up des quatre départements bretons, plus la Loire-Atlantique. Il ne faut pas avoir plus de 5 ans d'existence et évidemment une forte envie d'aller développer son activité outre-Atlantique. Toutes les démarches se font sur braise-america.com. Les gagnants iront à New York du 8